Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bienvenue Sandrine. Bonjour Anaïs. Je suis super contente aujourd'hui que tu sois là pour parler d'un sujet vraiment... très très important, je trouve, et dont on parle, dont on commence à parler, mais encore trop peu, qui est le sujet du postpartum. Mmh. Alors c'est un sujet que moi j'ai trouvé personnellement que j'avais pas du tout abordé finalement pour ma première grossesse, parce que j'étais hyper focus sur l'accouchement. C'était comme l'objectif à atteindre. C'est souvent ça en fait. L'objectif à atteindre, l'idée de la grossesse, c'est effectivement préparer les femmes pour l'accouchement. C'est ça. Et personne ne parle jamais du postpartum, ou en tout cas, les professionnels n'en parlent pas souvent. Et effectivement, quand on rentre de la maternité, ou quand... Alors, on va parler de la maternité parce que quand on est à la maison, on est quand même dans son cocon, on reste avec ses odeurs, son amoureux ou son amoureuse, et du coup, c'est un peu moins rude, je trouve. Mais quand on est à la maternité et qu'on rentre au bout de 3 jours avec un petit bout qu'on ne connaît pas, on se retrouve parfois très démunis, sans avoir beaucoup de pistes à chercher de personnes ressources, parce que justement on n'a pas préparé son postpartum avant la naissance. Et justement c'est vraiment l'objet là dans cet épisode, de donner des clés, de penser vraiment à cette préparation, comment on prépare le postpartum pendant la grossesse. Oui. Même si évidemment moi je me souviens que cet accouchement c'était un peu impressionnant pour moi, je connaissais pas, c'était l'inconnu, et puis je voulais accoucher à la maison, donc je m'étais méga préparée, enfin il y avait tout ce chemin à faire pour me sentir prête entre guillemets, mais c'est comme si après c'était autre chose quoi, j'avais même pas à le visualiser, j'avais même pas à l'envisager. Et ça a été vraiment pour moi quelque chose qui m'a manqué énormément, puisque je me suis sentie complètement désemparée et démunie. Et même, tu vois, seule, j'avais prévu l'accompagnement avec une doula en amont, mais je n'avais pas du tout envisagé l'après. Erreur que je n'ai pas commise la deuxième fois. Oui, moi j'en parle toujours, c'est vrai, quand dans mes accompagnements de doula, j'en parle toujours du postpartum en fait. Tu vois. Ouais, vraiment super important. Pour les inviter à réfléchir sur ça, parce qu'en fait, quand elles sont... la grossesse, c'est une phase qui est un peu idéalisée, rêvée. On s'imagine en tant que maman avec son bébé, on s'imagine son bébé, à qui il va ressembler, comment il va être, est-ce qu'il va avoir des cheveux, est-ce qu'il va être grand, est-ce qu'il va être petit, est-ce qu'il va bien téter si on envisage l'allaitement, est-ce qu'il va dormir, est-ce que... Et c'est important, je pense, aussi de laisser cette bulle-là à la femme enceinte. Mais en fait, ça fait... il y a une grosse différence avec l'après-naissance, qui là est une période vraiment plus que vraie, dans laquelle la femme, le couple est plongé, et où le corps s'exprime aussi, tu vois, quand on allaite, on a le corps qui fabrique du lait, on a aussi des pertes de sang qui sont complètement normales, on a peut-être une sueur qui est un peu plus importante. Les pertes de sang, moi je me souviens de pas pareil de m'être préparée vraiment à ça. Je m'attendais pas à perdre du sang aussi longtemps. C'est ça. En fait, de façon aussi intense, t'arrives à la maternité, je m'attendais pas à avoir ces énormes protections là, t'as l'impression de remettre aussi des couches. Oui, carrément. Cette sensation où ton corps, il est un peu alors que pour la deuxième, j'avais préparé ma trousse d'homéopathie, j'avais préparé ma bouillotte pour les douleurs de tranchée, que je savais même pas ce que c'était des douleurs de tranchée. Donc les douleurs de tranchée, c'est vraiment cette sensation, une fois que t'as accouché, ton bébé, quand il tète, c'est accentué quand ton bébé est au sein, ton utérus se recontracte pour revenir à sa taille initiale, et que ton ventre progressivement reprenne... une forme initiale. Et il y a vraiment des... Alors, pour le premier, ça dépend. J'ai eu des témoignages de femmes qui disaient que c'était très, très douloureux. D'autres, oui, moins. Parce qu'on n'a aussi pas toute la même résistance exactement à la douleur.
Et effectivement, on dit que plus on a d'enfants, plus les tranchées seront prononcées et fortes. Mais quand tu le sais, ça change aussi toute la dimension de la douleur. Bah, t'es prête. T'es prête. Et moi, je me souviens de, pour ma deuxième, j'étais prête, je la mettais au sein, ma bouillotte était prête. Oh, et je mettais ma bouillotte sur le ventre et... c'était tellement bien, enfin, un truc tout simple. Et d'ailleurs, quand ma sœur, elle a accouché, je lui ai dit, dans ta valise, tu prépares près de toi ta bouillotte. C'est hyper précieux, c'est un truc tout bête à prendre, mais... Et puis, ça apporte beaucoup de réconfort. La chaleur dont on a besoin après. Sur le ventre, sur ce ventre qui est vide aussi, et ça, c'est important. Donc, c'est vraiment le contraste entre la grossesse qui est rêvée et la réalité qui vient vraiment... faire irruption, en fait, tu vois. Et c'est vrai que c'est important de s'organiser pour vraiment se sentir soutenu, entouré. Alors, on peut réfléchir à s'entourer avec la famille proche, c'est-à-dire le conjoint, les enfants, s'il y a d'autres enfants avant. Ça peut être aussi la famille un petit peu plus éloignée, comme les cousins, les cousines, les tantes, les oncles et les grands-mères, si on a encore nos grands-mères, nos mamans. Et ensuite, si on n'a pas tout ça, parce que c'est ce qu'on évoquait hors antenne, qu'en ville, on était tous les uns contre les autres, mais finalement, on était très seuls parce qu'on était... chacun vivait sa vie sans faire attention à l'autre. Bah oui, tu peux ne pas connaître tes voisins, tes parents peuvent être loin ou pas disponibles. Moi, personnellement, pour mon premier, mes parents étaient loin et travaillaient, mes beaux-parents étaient actifs. Notre famille, elle était assez loin, quoi. Enfin, on n'avait pas de... Alors, à ce moment-là, pensez aussi à toutes les personnes qui sont proches physiquement. Tu vois, ça peut être des voisins, ça peut être des amis. C'est vraiment vrai. S'organiser pour ça. Ingrid Bayo parle du quatrième trimestre de la grossesse. C'est ce qui continue. C'est aussi un mouvement parce que la femme qui va accoucher et qui va naître mère ne sera plus jamais la même, tant dans son corps que dans sa psyché. Et ça, c'est vraiment très important aussi de pouvoir les accompagner sur cette réalité-là, quelle que soit leur réalité, mais en tout cas, la réalité du couple que tu accompagnes. Moi, j'aime bien englober les papas, ou en tout cas le coparent, parce que c'est super important. Ah bah, aussi, il est précieux dans ce moment-là. À ce moment-là aussi. Et c'est vraiment une aventure qui demande de puiser tout au creux de soi des ressources... insoupçonnable en fait, avant d'avoir un enfant. Dans ce que tu dis, il y a le concept, voilà, cette transformation et tout, cette période vraiment de transition au niveau hormonal, il se passe beaucoup de choses. On passe de l'état de grossesse à, ben voilà, au postpartum, il y a l'allaitement qui se met en route, il y a des hormones, le niveau hormonal en circulation dans le corps de la femme, il est très intense. Donc oui, physiquement, émotionnellement, à se mettre en place. Le processus d'avant la grossesse en fait. Bah, qu'on peut ne pas retrouver tout de suite parce que si on allaite, c'est un nouvel ordre qui se met en place un peu. Et je trouve qu'on parle beaucoup, il y a un podcast qui est merveilleux sur ce sujet, la matrescence. Elle parle, donc la matrescence, c'est la contraction de maternité et d'adolescence, où justement, elle parle super bien de ce passage, qui est un peu, voilà, on se retrouve dans cette période de vie. Bah, dans l'adolescence, on est un peu perdu, c'est un nouvel équilibre, il y a plein de choses qui se passent, ça bouge émotionnellement, physiquement, tous nos domaines de vie sont affectés. Et en effet, on ne se reconnaît pas forcément non plus à l'adolescence. On ne se reconnaît pas non plus. Et je trouve que la maternité, c'est ce moment-là aussi, on ne se reconnaît pas du tout, parfois. Il y a beaucoup de changements. Moi, je me souviens, pour mon fils, ressentir cet amour immense, qui peut aussi arriver plus tard, mais vraiment même avoir envie de consacrer tout mon temps, toute mon énergie, être complètement dans la dévotion. Oui. Que je m'attendais pas du tout à vivre ça. Enfin, et en plus, ça faisait pas longtemps que j'étais installée. J'étais passionnée par mon métier. Avant d'accoucher, j'étais même en train de me dire, OK, la crèche, comment je vais m'organiser? Tac, tac. Enfin, j'étais déjà dans, j'avais pas du tout envisagé que je serais complètement, bouleversée, balayée par ce tsunami d'amour que
tu peux pas, enfin en tout cas moi j'ai l'impression de ne jamais avoir ressenti ça auparavant, ni dans une relation amoureuse, ni avec mes parents. C'est un amour tout nouveau et tellement intense. Oui. Donc il y a vraiment ouais matrescence. Je trouve que ça va très bien. C'est un amour tellement intense où les femmes peuvent se perdre. Complètement. Elles-mêmes. C'est aussi un amour inconnu qu'on n'a jamais rencontré avant, qui peut nous surprendre effectivement de par l'intensité. C'est aussi cette façon de devoir s'occuper de quelqu'un tout le temps. Ouais. Et là, je crois qu'il y a aussi beaucoup cette ça intensité. Dans le postpartum, c'est cette responsabilité que mesurent les parents au moment où ils rencontrent leur enfant. Chose qu'ils avaient peut-être pensé, réfléchi dans la grossesse, mais comme c'était pas concret, ils s'en rendaient pas forcément compte. Et à partir du moment où tu rencontres ton enfant, quelle que soit la rencontre, t'as peut-être ce poids de responsabilité qui pèse sur certaines personnes et pour qui c'est lourd en fait. Parce que effectivement à partir du moment où ton bébé naît, tu deviens responsable de lui, tu n'es plus seulement responsable de toi-même, tu es aussi responsable d'un être humain, d'un petit être qui vise à grandir et à s'autonomiser. Et du coup, ça, c'est aussi important comme bouleversement. Enfin, vraiment, après la grossesse, il y a plein de choses qui se jouent. Il y a la maman qui se retrouve face à un corps qui est vide, qu'il va falloir qu'elle réapprivoise. Comment faire avec ce corps qui n'est plus si rond, qui n'est plus empli d'un petit être. Bah, moi, j'aime bien préciser, là, c'est souvent une question qu'on me pose, de dire ici aux femmes que, bah voilà, de se déscotcher un peu de tout ce qu'on peut voir parfois sur les réseaux, dans les médias, de la femme qui sort de la maternité et qui retourne dans son jean. En fait, le corps, il a besoin de temps. On a mis 9 mois pour arriver jusqu'à ce stade d'accouchement, quoi, de donner naissance à ce bébé. Le corps, il a au moins besoin de 9 mois, sans compter qu'on allait et tout. Donc, ben, soyez bienveillante envers vous-même et confiante. Soyez douce et confiante que c'est en chemin et que ça se met en mouvement et que progressivement les choses se font. Prenez soin de vous, prenez. Enfin. Oui, parce que aussi le bébé, pendant toute sa croissance, il a poussé les organes sur les côtés ou contre le dos. Et en fait, une fois que le bébé n'est plus là, bah, il faut que tous les organes reprennent leur place. Et avec un bébé en moins dans le ventre, forcément, ils vont se remettre à fonctionner différemment. Et ça prend vraiment du temps. Et d'ailleurs, j'en profite ici, je trouve que c'est important. Il y a beaucoup d'accompagnements qui sont prévus pendant la grossesse, notamment en ostéopathie, en chiropractie ou en éthiopathie, enfin, voilà, dans le côté mécanique. Mais de bien penser après au poste. Souvent, on emmène son bébé, mais les femmes, elles ont tout autant besoin que le bébé, même voire plus parfois, parce qu'il y a eu une énorme ouverture et comme tu dis, tout doit se remettre en place. Donc parfois, ça peut faire vraiment du bien de se faire quelques séances voilà, en ostéo pour prendre soin de ce corps, pour que tout se remette... Ouais, c'est primordial, j'aurais envie de dire. Mais souvent, c'est pas le cas. On est vraiment focus sur ce bébé. Oui. Et moi, je me souviens quand tu dis « oui, il y a un nouvel être dont on prend soin », il y a aussi cet aspect de tout ton temps, de cette intensité. Moi, je me souviens de cette intensité que j'avais pas du tout envisagée, au point parfois de voir mon mari partir le matin, il revient le soir et j'ai même pas pris le temps, même pas eu le temps de prendre ma douche, à peine le temps de me faire à manger. Et d'ailleurs, je trouve que ça aussi, c'est un sujet hyper important. On disait comment bien préparer son postpartum. On en parle de plus en plus. Pensez en amont, cuisinez, faites-vous cuisiner, congelez des plats. Préparez ce côté, ben, si vous allez à un moment où la période où votre conjoint ou votre coparent sera avec vous, ben, de cuisiner. Parce qu'après, quand il sera plus là, parfois, on a moins le temps de cuisiner. On mange moins bien, alors que c'est un moment où on a tellement besoin. Et c'est un temps, le postpartum, c'est un temps où tout s'étire en fait. C'est un temps qui s'étire mais qui est hors du temps. Et c'est très particulier comme temps. C'est aussi très particulier parce que déjà il faut faire face à son corps qui est vide, répondre aux besoins de son enfant. Oui.
On rencontre son enfant, parce que moi je pense que la rencontre n'est pas innée, pas du et tout. Ça c'est très important de le dire, ça va désacraliser beaucoup cette rencontre-là, parce que les mamans qui se retrouvent face à un petit être, et ça n'a rien à voir avec l'amour, je pense, qui rencontrent leur petit garçon, leur petite fille, et qui ne sentent pas ce lien d'attachement tout de suite, ça peut arriver. Et c'est pas anormal, c'est tout à fait normal en fait. C'est pas normal, ça peut être comme ça et ça peut prendre du temps comme on rencontre les gens à l'extérieur. Mais ça prend du temps, enfin moi j'ai souvenir de, et j'en parlais encore autour de moi, de ce côté de tu construis tous les jours ton amour, grandit pour ce bébé en fait, t'apprends à le connaître. Mais comme on se rencontre avec des amis en tant qu'adulte ou en tant que petite fille ou en tant que petit garçon, des fois il y a des rencontres. Tout de suite, ça match et on se dit « Oh là là, j'adore qui elle est, j'adore qui il est. » Et puis des fois, pas tant que ça à la première rencontre, mais à force d'être en lien, à force de créer lien, à force de se rencontrer, d'échanger, finalement, on se rend compte que cette femme ou cet homme est vraiment génial, en fait. Bien sûr. Et ben, c'est pareil avec un bébé. Ça, c'est vraiment très important de le signifier. Et puis, il y a aussi toute cette place à retrouver dans la famille, parce que on se découvre en tant que mère. Mmh. On s'était imaginé mère, mais là on se découvre en tant que mère concrètement. Ça renvoie aussi à notre propre histoire de comment est le lien avec notre mère, comment notre mère a été avec nous, comment il y a eu ce lien de transmission. On découvre aussi son compagnon ou sa compagne en tant que mère ou en tant que père. Et c'est pas forcément ce qu'on s'était imaginé, mais cette personne-là est aussi en lien avec ses propres réminiscences de son enfance, de son propre lien avec ses propres parents. Ça fait quand même beaucoup pour... À digérer. À digérer, à intégrer, à transformer, à traverser. Et c'est vraiment super important de prendre le temps, vraiment. Donc ce que tu disais, Anaïs, de prendre le temps d'être douce et bienveillante et doux et bienveillant envers soi-même, dans son corps, dans ses émotions, dans ses relations aussi, dans ses relations en effet, dans redécouvrir son couple au travers de la maternité. Puis voilà, si c'est ton premier, tu crées une famille, si c'est le deuxième, le troisième, ça s'agrandit, la place se change aussi à ce moment-là. Donc vraiment d'avoir de prendre le temps. Et quand on parle du quatrième trimestre, je trouve que oui, il y a ce trimestre en plus et c'est tout à fait juste. Et je me suis vraiment interrogée sur cette idée du postpartum. Moi, j'ai l'impression que le postpartum, il va même jusqu'à la première année. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et quand je vois autour de moi les femmes que j'accompagne, avec qui j'échange et tout, et qui sont parfois dans un maternage proximal, où j'ai l'impression qu'il y a quand même cette première année un peu de découverte, de mise en place. C'est le moment, dans la première année, parfois, tu peux reprendre le travail, il y a les nuits qui peuvent s'installer plus ou moins, ça peut être plus ou moins long. Moi, j'étais pas prête non plus à ça. J'étais pas prête à dormir si peu. Je pensais pas du tout avoir autant de résilience en moi. Je pensais pas. J'ai toujours hyper bien dormi, avoir été une grosse dormeuse. C'est et là... ce qu'on se disait hors antenne. On se disait que, tu vois, on a fait le salon de la parentalité toutes les deux. Et moi, j'ai eu beaucoup de femmes qui sont venues me voir en me disant « Ah oui, mais en fait, en tant que mère, je me suis découverte et j'ai découvert mes capacités à traverser ces moments où, par exemple, le bébé ne dort pas, où, par exemple, le bébé pleure tout le temps. Et vraiment, elles ont su trouver en elles, parfois ça a pris beaucoup de temps, mais en tout cas, elles ont su trouver en elles la ressource pour pouvoir traverser ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle jamais non plus, parce qu'il y a derrière un postpartum qui peut être difficile, sans même parler de la dépression du postpartum, n'empêche qu'il y a une espèce de culpabilité, parce que ces sociétés nous renvoient toujours l'image que parce qu'on est enceinte, on doit être heureuse, parce qu'on a un bébé, on doit être vraiment heureux. Et qu'en fait, du coup, si on sent qu'on n'est
pas tout à fait heureuses et c'est complètement normal. On n'a pas de ressources à l'extérieur pour pouvoir en parler, on n'en parle pas. Comme l'accouchement, souvent on n'en parle pas parce qu'on se dit « oulala, faut pas leur faire peur, faut pas ». Mais en fait, c'est en parlant et en transmettant sur l'importance de bien organiser son postpartum que les femmes et les couples vont commencer à élaborer, à réfléchir, à trouver des pistes et à penser le postpartum autrement. Et ça, c'est super important, ce rôle de transmission qu'on a d'amis en amis, de sœur à sœur, de cousine à cousine. Enfin, tu vois, vraiment oser transmettre que le postpartum, ça peut être, c'est en tout cas, bouleversant. Que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, de toute façon, c'est bouleversant. Et je trouve aussi que c'est comme un peu dans la vie, tu vois, c'est comme... Moi, j'ai un condensé de la vie en intensité. C'est vraiment pour moi, dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Bien sûr. Et quand on est en haut, c'est génial. Et quand on est en bas, bah, on a un peu envie de rester sous la couette et de pas échanger et tout, mais de pas oublier. Moi, j'ai toujours eu ça comme philosophie. Ben, c'est comme tout, ça passe, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ça passe. Je me suis toujours dit ça, même quand c'était difficile, parfois, où, oui, j'étais fatiguée, oui, clairement, parfois, je me disais, mais pourquoi j'en suis là avec ce bébé dans les bras, à vivre ça, cette intensité, et j'ai pas de ressources, et je suis fatiguée, et puis, enfin, tout ce débordement, et en même temps, tellement d'amour, tout est mélangé. Donc c'est pas c'est pas tout rose ou tout noir, c'est vraiment il y a des hauts et il y a des bas, et quand on est en bas, de pas oublier que hop, bah le prochain ça sera bien, il va de nouveau y avoir des hauts, et même dans une journée, c'est dans ce postpartum, dans l'intensité, il y a vraiment tout, il y a ce bébé qui fait ses premiers sourires, qui nous regarde, et tout cet amour qu'on ressent. Ah, il arrête pas de pleurer, j'arrive pas à l'endormir, et le soir j'arrive même pas à avoir une nuit complète. Enfin, là tu mets vraiment le point sur l'importance d'accompagner le couple et la femme dans toutes ces émotions, dans tous ces ressentis qui peuvent être paradoxaux et qui existent en même temps, en fait. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir accueillir, accompagner sur ce chemin-là, tu vois, en vraiment respectant les besoins du couple et les besoins de la mère et comment elle pourrait trouver ses propres ressources, de quoi elle aurait besoin. Ça peut être vraiment très simple, tu vois, sur le site d'Ingrid Bayo, elle a édité un carnet de cadeaux de naissance. Ah oui, j'ai trouvé ce concept vraiment génial. Et c'est vraiment super important parce que ça peut être des choses toutes bêtes. C'est un carnet de chèques cadeaux de naissance qui peut être téléchargeable gratuitement. On vous invite à télécharger. On vous invite vraiment à aller voir et à télécharger parce que ça peut être... aller ensemble au centre commercial, par exemple, avoir besoin d'être accompagné par un adulte pour un premier trajet en voiture. Ça peut être être accompagné à un rendez-vous, ça peut être un besoin de massage, ça peut être qui je peux appeler quand j'ai besoin de faire une pause urgente parce que justement ce bébé ne dort pas. Et que j'en ai vraiment marre d'avoir ce bébé qui ne dort pas, ou un bébé qui pleure, qui est-ce que je peux appeler, qui saura m'accueillir, avec qui je suis, avec peut-être toute cette colère que j'ai besoin de déverser. Ça peut être... De se plaindre. Mais oui, se plaindre. À qui je peux me plaindre sans être jugée. C'est ça, sans m'entendre dire « Oh là là, mais là, vraiment, ça va pas du tout ce que tu fais. » Ou même « Mais ça va pas du tout, en fait, tu vas mal. » Mais alors oui, que non, j'ai juste besoin de partager avec toi, déverser ça. Tu vois, même parfois avec beaucoup d'humour, moi je le vois, je le fais avec ma sœur, je le fais avec des amis, ou parfois on s'appelle pour et on en rigole en fait. Ça va, enfin ma sœur là qui vient d'avoir un petit bébé 4-3 mois et que parfois je l'appelle le matin, alors t'as bien dormi? Mais oui, j'ai passé une nuit formidable, je me suis réveillée 6 fois, c'était exceptionnel. Enfin, on en rigole parce que il y a un côté où on en a tellement parlé en amont, elle est tellement prête de ça et même pas assez parfois que bah aussi de pas hésiter à en rigoler et puis à tourner ça à la dérision parce que ça va passer et qu'à un moment, bah oui, il va dormir forcément.
même si ça peut être long. Ouais, tu vois, donc ce petit carnet là, ça peut être vraiment des petits légumes à apporter, à cuisiner, à apporter à la maman, des petits plats que tu prépares et que tu congèles, lui apporter son dessert favori. Enfin, moi je me rappelle, j'ai une amie qui a accouché de son troisième. Je suis allée la voir à la maternité, mais avant, je suis allée chez un super pâtissier de notre coin et je nous ai ramené 4 petites verrines à déguster ensemble parce que je savais que ça allait lui faire du bien. Enfin, tu vois, dans le postpartum, c'est vraiment comment on peut prendre soin de la maman. Parce qu'en fait, tout le monde prend soin du bébé, tout le monde s'occupe du bébé. Et jamais personne s'occupe non. de la maman oui, c'est vrai. Et du papa. Avant, tout le monde est concentré sur toi. Comment tu vas en tant que maman et tout. Et puis le bébé arrive, toi, tu n'existes plus. Ah non, tu n'existes plus, c'est même pas... Tu vois, ça peut être vraiment, voilà, passer quelqu'un qui vient pour passer l'aspirateur, quelqu'un qui vient pour déneiger ton entrée s'il y a des chutes de neige. Enfin, ça peut être, vraiment être quelque chose, des petits services comme ça. Qui vient aussi avec un plat comme tu disais même que voilà qui a préparé même une soupe un repas que t'as en moins faire qui vient aussi moi je me souviens mais ça c'est tellement précieux rien tu passes et quelqu'un qui prend ton bébé le temps que tu puisses prendre ta douche tranquillement et pas avec le stress de oh, il s'est endormi s'il se réveille alors que je suis sous la douche et qu'il hurle en tout cas moi dans mes débuts de maman c'était hyper violent pour moi ça de je me souviens de ce stress que ça généré de attends là ça fait combien de temps qu'il dort si je vais me doucher maintenant ouais. Et il se réveille parce que aussi on a ce truc de on n'a pas envie de le laisser pleurer ce petit bébé qui vient d'arriver et puis c'est stressant enfin c'est fait pour en même temps nous alerter ouais. Les cris d'un bébé donc mais en fait ce qui se passe c'est que là c'est un lien télépathique Ingrid elle en parle beaucoup en fait quand tu es enceinte tu as des cellules de ton enfant dans ton corps que l'on va retrouver au niveau du cerveau. Et c'est aussi ce qui permet d'anticiper les besoins de ton enfant avant même qu'il les exprime. Okay. C'est ce qu'on appelle le lien télépathique. Okay. Et ça, c'est quelque chose... Tu vois, souvent, on dit... Oh, ben moi, je sens avant qu'il tète et avant qu'il commence à pleurer, ben je sens dans mon corps que la lactation se met en route et que la montée de lait est en train d'arriver, tu vois. Ça, c'est grâce aux cellules qu'on a récupérées de notre enfant qui sont restées dans notre corps. C'est fou, fait. Ça. C'est incroyable. C'est comme là, on parlait pour l'émission sur l'allaitement et je trouvais ça magique, ce côté de... Voilà, le téton qui devient une cible, qui se teinte plus foncé, qui devient une cible. Avec et puis, l'odeur aussi. Avec l'odeur ouais. du placenta ouais. autour et du mamelon de la... et du, pardon, du liquide amniotique autour du mamelon ouais. pour que le bébé soit attiré. Mais c'est juste la magie ouais. du corps, quoi. Ouais. Alors, tu vois, tout à l'heure, tu parlais, Anaïs, de quelqu'un qui pourrait prendre ton bébé, par exemple, le temps que tu te douches. Ça, c'est aussi quelque chose dont il faut faire attention. Parce que parfois, pour les mamans, que quelqu'un d'autre prenne son bébé, ça peut être source de stress. Et du coup, toujours demander à la maman si c'est OK de pouvoir porter son ah, bébé. Ah oui, bien sûr, oui. Pouvoir le prendre pendant qu'elle se douche. Le si consentement, jamais oui. Si il pleure, tu vois, est-ce que tu vas te doucher ? Est-ce que si jamais il se met à pleurer quand il est sous la douche, est-ce que je peux le prendre ? Ou est-ce que tu préfères que j'essaye de le rassurer, mais sans le toucher, sans le prendre ? Tu vois, ça, c'est aussi... En le laissant hurler. Non, pas en le laissant hurler, mais tu vois, il y a des mamans pour qui c'est oui, difficile bien sûr. De voir oui, son ça bébé se... dans ouais. les bras des autres. Et puis, il y en a d'autres qui sont super OK. Et... Oui, puis je pense que ça dépend... du lien aussi, peut-être, de qui... avec la personne voilà. que tu qui as. Qui est là. Et bien moi, sûr. Je suis vraiment dans cette considération de postpartum, bienveillance envers vous, et le plus possible, même si, évidemment, mmh. si c'est ta belle-mère et que tu peux pas l'encadrer... Bon bah voilà, t'es obligé de la voir sous les ouais. yeux en postpartum, mais idéalement d'avoir des gens bienveillants qui te font du bien oui. le plus possible autour de toi et d'éviter bah, justement des personnes où t'aurais pas du tout envie qu'ils prennent ton enfant bien dans sûr. Les bras, que ce soit des gens vraiment ressources pour oui. toi dans tous les spectres possibles. Quoi. Ouais. Mais tu vois, moi en tant que doula, je fais toujours attention à ça, je demande toujours, alors qu'en général j'ai un super lien de confiance qu'on a co-créé avec les parents, mais je crois que c'est important aussi, tu vois, ou alors
de faire attention quand tu vas avoir un bébé de pas être parfumé. Ah bah parce oui, que si par exemple sauteurs, tu le prends, que la maman reconnaisse l'odeur du bébé, de son bébé, et que ça, que ton parfum ne fasse pas écran avec l'odeur de la maman et qu'ils puissent se reconnaître tous les deux. Oui, il y a ce côté aussi de quand on est, c'est un peu comme quand on est enceinte, le postpartum, il y a cette hypersensibilité aussi aux odeurs. Oui, voilà, puis un bébé, enfin voilà, le parfum c'est parfois un peu synthétique, donc oui. Ça peut être hyper violent. Donc ça peut être, c'est important. Et vraiment de mettre en mots tout ce qui a pu se passer pendant la naissance pour pouvoir permettre une meilleure intégration, tu vois, de la naissance. Ça aussi, c'est des temps qui sont importants à prendre en postpartum. Oui, pour ça, il faut déjà trouver l'espace et dans le sens, une oreille attentive pour entendre ça, parce que tout le monde n'est pas prêt, tout le monde n'a pas envie de recevoir ton récit d'accouchement et de... Ça peut être le rôle, enfin, ça, c'est clairement le rôle de la doula. Ouais, bah justement, parle-nous un peu d'une doula, qu'elle peut, puisqu'on est là pour le postpartum et tout, quel rôle a une doula, peut avoir une doula dans ce postpartum, dans ce moment aussi Bah, tout ce qu'on a déjà dit, tu vois, d'être présente pour les parents, pour faire une espèce de débrief, j'aime pas trop ce mot-là, mais revenir sur la naissance. Sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est joué, sur si comment... on en a envie aussi. Si on en a envie, bien sûr. Sur ce qui... Moi, en général, elles en ont envie. Sur ce qui s'est passé pour les deux, tu vois, pour la maman qui accouche, pour le coparent qui est à côté. Est-ce qu'ils ont eu cette sensation de vivre quelque chose vraiment ensemble, ou est-ce que ça a été très différent pour les deux? Comment ils se sont sentis, comment ils se sentent dans ces premiers jours avec le bébé. Ça, c'est vraiment souvent, très très souvent, un moment qu'on prend après la naissance, tu vois. Et puis ça se fait spontanément, en fait, on prend pas forcément. Oui, dans la discussion. Dans la discussion, et quand on a été présente à la naissance aussi. Tu vois, ça fait partie de la remémoration, un peu de l'euphorie de ce moment-là qu'on a traversé, partagé tous ensemble. Comme si on prolongeait un peu ce moment. C'est ça, moi je me sens vraiment à chaque fois très honorée et pleine de gratitude pour ces couples qui me permettent d'être là dans leur intimité, parce que je crois que je peux pas être dans un moment plus intime que celui-ci. Bah souvent, c'est quand même comparé au rapport sexuel, donc effet. On n'implique pas une autre troisième personne rapport sexuel, et que là, pour le coup, ils font ce choix-là et c'est OK pour eux. Et pour moi, c'est vraiment avec beaucoup de fierté et beaucoup d'humilité que je partage ces moments-là avec eux, tu vois. Et une doula, ça peut être aussi précieux, ouais, dans le postpartum. Donc vraiment préparer des petits plats, apporter des petits plats... préparer des petits plats sur place, tu vois, ou apporter un petit gâteau parce que j'ai envie de leur apporter un peu de douceur. Ça peut être aussi un massage, ça peut être des moments de resserrage avec le rebozo, qui est un châle mexicain. Ça peut être un bain en postpartum où je propose un bain avec des plantes. Alors, je reviens du Mexique, donc j'ai envie d'intégrer et d'offrir une petite tasse de cacao, tu vois, aux femmes qui sont enceintes, et ça pose aucun... Enfin, aux femmes qui viennent d'accoucher, ça pose aucun problème de leur offrir ça, parce que le cacao, c'est une médecine qui est puissante, c'est une médecine du cœur, en fait. Une ouverture, ça permet une ouverture du cœur encore plus grande, ça permet de vraiment d'aller puiser en soi ses propres ressources, ça amène beaucoup de douceur, tout ce qu'une femme a besoin dans l'après-naissance. Complètement. Ça peut être effectivement, et puis pendant le temps du bain, lui brosser les cheveux, lui masser les mains, lui masser les pieds, lui chanter peut-être des petites chansons, tu vois, ça peut être un moment comme ça. Il y a plein de possibilités, ça, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup aussi quand le coparent est là pour pouvoir voir un petit peu comment ils vivent leur lien
à tous les trois ou à plus s'il y a d'autres frères et sœurs dedans. Oui, et puis là, tu parles du bain et tout. S'il n'y a pas le coparent pour être là auprès du bébé, c'est pas toujours évident de se détendre et de se relâcher. Oui. Quand t'as un petit bébé qui est là à tes côtés, et donc ta vigilance, elle est toujours très maintenue. Oui, on en parlait tout à l'heure. Hein, que... Et moi, je me souviens même maintenue, malgré le fait qu'il y avait mon mari qui était en bas en train de s'occuper du bébé. Après la naissance, la sage-femme, elle m'avait fait un super massage et tout. Mmh. J'avais mis beaucoup de temps avant de lâcher mon mental. J'étais vraiment en vigilance. De s'il pleure, est-ce qu'il a besoin de téter ? Enfin voilà, vraiment dans cette hyper-vigilance en fait. Ben, ça peut être aussi quelque chose, tu vois, ou ça peut être aussi notre rôle aussi de, voilà, de proposer le bain, mais avec le bébé à côté. Et ça peut être, si on sent que le bébé commence un peu à s'impatienter, ou peut-être le prendre dans ses bras, toujours avec l'accord de la maman, ou le donner à la maman qui est dans son bain, tu vois, ça... C'est en fait vraiment comment s'adapter aux besoins concrets de cette maman, de ce papa. Peut-être voir le papa en individuel aussi, parce que parfois c'est difficile de mettre en mots ce qu'il a vécu. Et du coup, prendre un moment pour lui, pour vraiment qu'il puisse s'exprimer sur ce qu'il a vécu. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités de vraiment organiser... de dire aux parents, ben, concrètement, voilà, vers quelle personne vous pouvez vous tourner pour passer aspirateur, pour faire les courses. Moi, souvent, avant d'aller voir les parents, je leur téléphone, je leur dis, ben, je viens, est-ce que tu as besoin que je passe à la pharmacie, par exemple, ou est-ce que tu as besoin que je passe au magasin pour te ramener quelques petites choses. Puis des fois, je fais des petites courses et j'arrive, les petites courses sont faites, comme ça, ni le papa ni la maman ont besoin de sortir. Ça peut être plein de petites choses comme ça, tu vois. Ça peut aussi être des moments pour passer un moment avec le grand, par exemple, ou peut-être s'occuper du bébé qui vient de naître pendant que la maman s'occupe du grand. Enfin, c'est tout est à construire en fait, mais pour ça, il faut vraiment le faire en amont. Oui, il faut l'avoir pensé un peu, un minimum, l'avoir organisé un peu en amont. En tout cas, avoir eu en tête cette possibilité, d'où l'importance de vraiment envisager son postpartum, même si pendant la grossesse, on n'est pas forcément focalisé là-dessus. Mais quand on a entendu, je trouve qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place. Moi, j'ai déjà eu ces retours, oh là là, mais merci, au début, quand tu m'as parlé de ça, j'étais pas du tout prête. Je me disais, non, mais ce qu'elle me dit, ça m'intéresse pas du tout, on verra. Et finalement, j'ai mis 2-3 petites choses en place en amont et ça m'a été hyper précieux. Donc vraiment d'avoir en tête, ben voilà, le postpartum, ça se prépare aussi, autant que la naissance. Oui. Autant que toute cette période de la grossesse et de vraiment ne pas le négliger pour prendre soin de soi, de cette famille, de ce couple, oui, de ce bébé. Oui, puis il y a aussi tous les petits trucs un peu organisationnels, tu vois. Par exemple, si tu veux donner le bain à ton bébé, ben, est-ce que tu as une table allongée proche ou comment tu peux t'organiser si ta salle de bain bien est sûr. Toute petite pour pas le jour J être démuni avec son bébé dans les bras, entouré d'une serviette, mais pas savoir où le poser. Enfin, ouais. En général, il y a quand même beaucoup d'organisation sur la chambre, la salle de bain. Oui, mais ça, c'est chouette de pouvoir aussi effectivement les réfléchir avant. Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quand même, tu vois, avec toutes les listes de naissance, alors, tout ça, c'est le les gens, ils envisagent. Oui. Après, on n'a pas besoin de beaucoup d'autant de choses. Pour pouvoir s'occuper d'un bébé, juste vraiment réfléchir au côté pratique. Et puis adapter, comme tu le précises, à son logement. C'est ça. Vraiment, dans votre logement, comment vous allez pouvoir... voilà, c'est quand même bien pratique, si la chambre, elle est loin de la salle de bain, d'avoir un petit point, on peut me poser un matelas allongé. Pour que le bébé est chaud, il reste dans le chaud. Et puis, effectivement, mettre le point aussi sur l'alimentation, qui est très importante dans l'après-naissance. Vaste sujet. Pour pouvoir réchauffer le corps. Ça méritera un autre épisode, mais c'est sûr, on en parlera, parce que moi, c'est un point qui me tient vraiment à cœur, l'alimentation dans le postpartum, qui est tout aussi importante que pendant la grossesse. Oui. Et il y a vraiment une vigilance particulière pour pas trop... Nous, en tant que maman, on donne tout,
Et quand il y a l'allaitement aussi, même si on n'a pas allaité, il faut savoir que pendant la grossesse, le bébé, il a pris tout ce dont il avait besoin. Même si nous, on en avait en petite quantité. Il n'est pas très partageur. Il s'est servi. Donc il y a vraiment cette régénération, je trouve, à apporter au niveau de son corps. Ben, merci beaucoup, Sandrine. C'était hyper riche, hyper dense, plein d'informations, plein de... Oui, après, il y a plein... Alors, peut-être pour clore, Anaïs, il y a plein de livres en ce moment qui sont sur le mois d'or. On partagera tous les liens. Ingrid Bayot sur le quatrième trimestre de la grossesse. Il y a le mois d'or de Céline Chadla et Marie-Maë Poulain. Il y a le quatrième, bien vivre le quatrième trimestre au naturel de Julia Simon. Il y en a plein. Oui. Vous aurez beaucoup de pistes de réflexion aussi sur l'alimentation, sur tout ce dont on vient de parler, oui, en écrit. On vous mettra toutes les références de livres, bien sûr. Voilà. Je vous merci de votre écoute. Merci Sandrine. Merci et je te dis à très bientôt. À très bientôt.